Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture. Cette fois, comme je vous avais dit, évidemment, on va toujours essayer de quoi de nouveau. J'ai acheté comment on appelle ça? Des brillants. Des petites bouteilles de brillants pour saupoudrer dans notre acrylique. J'ai quatre couleurs. Alors, on va prendre, je crois qu'on va prendre évidemment quatre couleurs de principales, mais on va peut-être ajouter un petit peu de noir pour faire un petit peu de veinage, en tout cas pour essayer de faire du veinage, mais dans le noir, on ne mettra pas de brillant. On va en mettre seulement dans nos quatre couleurs principales, et puis on va faire notre un flip cup, un verre renversé, un coulage acrylique. Évidemment que, probablement que les brillants vont se mélanger avec notre acrylique, mais à quel point qu'ils vont se mélanger, j'ai bien hâte de voir ça, c'est ce qu'on va voir dans vraiment pas longtemps, mais je pense pour aider à mélanger le moins possible nos brillants, on ne mettra pas de médium, puis évidemment, on ne brossera pas notre verre avec nos mélanges de couleurs dedans. Alors, on va voir ce que ça donne, je pense que ça va être intéressant. La prochaine fois, ce qui va être demain ou après-demain, on va le faire, mais cette fois avec des médiums. On va mettre probablement du Floetrol et puis peut-être de l'alcool. On va voir, là, je dis ça sous toute réserve, mais probablement qu'on va essayer ça parce que là, comme vous savez, il y a mille et une manières de l'essayer. Mais là, on va s'amuser, on va mettre des brillants à l'intérieur de notre acrylique, ce qui devrait être très intéressant, ce qu'on va voir à l'instant.
Bon, bien, elle est terminée. Notre toile est terminée. Je suis obligé de vous dire que je suis agréablement surpris. C'est même beaucoup plus, plus beau fini que j'anticipais. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais on voit vraiment les brillants au travers de la peinture. Ce que je crois qu'il va y arriver, c'est que lorsqu'elle va sécher, on devrait voir un petit peu plus les brillants. Et puis de toute façon, j'ai l'impression que lorsque la lumière va frapper la toile de certaines façons, ça va vraiment faire sortir les brillants. Ça va être vraiment, vraiment beau. Je trouve ça intéressant parce que ça fait un petit peu comme si vous coupez un arbre, le veinage d'un arbre. On dirait vraiment que c'est un petit peu comme ça, en abstrait avec des couleurs, évidemment, qui ne sont pas ceux d'un arbre. Mais c'est très intéressant. Je trouve vraiment qu'on pourrait appeler cette œuvre tronc d'arbre, poubrette. Mais les brillants font ressortir. Puis là, le temps que je vous parle, elle sèche un petit peu devant moi. Et puis, je vois toutes sortes de choses étranges apparaître. Il y a des petites cellules rouges qui apparaissent ici et là. Je vous le dis, une fois sèche, elle va être vraiment superbe. Déjà qu'elle l'est, mais comme vous savez, une fois que c'est sèche, ça change un petit peu d'apparence. Ce que je vais vous montrer, probablement là, ça va être la toile, on peut dire, à moitié sèche. Je crois que ça va être, encore une fois, c'est réussi. Le fini est incroyablement beau. Ce qu'on va voir la prochaine fois, revenez-nous, parce que, comme je vous disais tantôt, ce qu'on va faire, on va recommencer encore. C'est incroyable comment que ça s'en est fini. C'est pour attendre comment c'est beau. Ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est qu'on va encore essayer avec les brillants, mais avec des médiums. On va essayer probablement avec du faux-troll et de l'alcool. On va voir ce que ça donne, j'ai hâte de voir ça. Puis je ne mélangerai pas, comme j'ai fait, toutes mes couleurs une après l'autre, faire un build-up un par-dessus l'autre. Ce que je vais carrément faire une couleur par-dessus l'autre, complet. Alors, on va voir ce que ça donne. Revenez-moi aux prochaines vidéos. Comme d'habitude, s'il vous plaît, laissez un like, un commentaire et partagez. Ça fait toujours plaisir. Alors, au plaisir de se revoir aux prochaines vidéos. Ciao.